Non, je vais être gentil avec toi aujourd'hui, ok? Nous allons regarder la dernière vidéo de Enderverse saison 1. Prépare-toi, installe-toi confortablement. Bien sûr, il n'y a pas la VF, tu le sais pourquoi. J'explique depuis les deux vidéos, donc si jamais tu le sais pas, je ne le réexpliquerai pas. Rappelez-vous du coup, dans le dernier épisode, on s'était arrêté du coup à la 0.3. On avait regardé du coup les deux parties. Maintenant, on s'attaque à la X-Verse scène 2. Et pour finir, le 0.4. T'es sûr? Si, bah, je savais. Pourquoi il... C'est office de déco, là, ou comment ça se passe? C'est l'heure d'une pause bien méritée, avoir sué pour essayer de trouver cette immonde timeline Oméga. Timeline Oméga, d'accord. C'est marrant, il a les deux peluches de Sans, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est silencieux! Casse-toi tout de suite! Ou j'appelle! La police! Ça te dérange si je te tiens combattu un moment? C'était une longue journée pour moi aussi. Oh! Je dois bientôt vider ces fioles pour continuer mes plans machiavéliques contre vous. Et j'ai pas eu le temps de lire, ok? Je ne dois plus rien sortir pour destroy something later, il a dit. Traduction en anglais. Le show va commencer. Espagnol. Oh, t'es ma frère. Papyrus! Quelqu'un a kidnappé Frisk! Oh, mais c'est incroyable! Ascoro! Mais c'est génial! Il y a même des voix, c'est trop stylé! Mais c'est trop bien! Sin est supposé être ton rival! Ouh! La beubare! Mais c'est génial! Mon petit Frisk a été kidnappé! Nous ne savons pas de qui il s'agit, ni de quelle est l'intention. Mais nous avons besoin de tout le monde pour sauver mon enfant. Ouh, il a un gun, wesh! Attends, c'est la voix de Sans, ça? D'accord, ok. Asgore! Mi esposa y yo podemos encontrar el escondite de esos miserables. C'est incroyable. Oui, allez, allez les chiens. C'est très bizarre dit comme ça, ok? Mais c'est vraiment des chiens, ok? Peligro, fabricata, cliché, abandonna. Je sais pas ce que c'est. Oh! Attends, c'est Cross! Mais what the fuck? Mais tu fais quoi là? Ça n'a aucun sens, vraiment. Donc c'est aller dans du coup dans la dans la timeline moustache pour aller kidnapper un gosse. Mais ok, ouais, pourquoi pas. C'est grâce à moi si tu peux prélever les fragments de code de tous ces stupides univers alternatifs. Tout ça c'est grâce à Señor. Ah, oh la pub. Oh la pub. L'auteur qui se cite lui-même dans la série, c'est un truc de fou, ça. Ces anomalies. Ah oui, t'as compris que c'était Cross. Oh. Oh là là, j'adore. On doit se barrer maintenant. Ah ouais, tu l'as dit, Bouffy. Si tu fais pas, tu vas mourir de toute façon. Oh. Et il est là-bas. Quelle est cette langue? D'où viennent tous ces squelettes? N'essaye même pas. J'ai rien fait. Désolé pour être dérangement, mais ma pause est terminée, j'ai beaucoup de travail à faire. Oh mon dieu! Trop stylé. Oh, fiole violette. Oui, c'est du coup, c'est la fiole violette. Il y a quelqu'un dans le commentaire qui m'a dit que...
Et j'ai même pas besoin de citer que ça se montre. Je te remercie d'avoir rejoint notre jeu. Wesh. Tu ferais mieux de te réveiller, Error. Attends, comme ça plutôt. Notre jeu devient plus intéressant. Ce jeu ne brisera pas notre rêve. Plus de création, plus de destruction. Allez, ça va être marrant. Qu'est-ce que... Je... Ok. C'était juste un cauchemar. Ouais, bah... T'es sûr ou pas? Qui fait ça, sérieux? Je sais que vous voyez pas ma main. Je vais mettre comme ça. Il a dit j'en ai marre. Mais moi c'est j'en ai marre. Pardon, excusez-moi, j'ai regardé la vidéo de Mixen pour ça. C'est joli. La Dollsphère, quel stupide revêtement dérisoire pour toutes ces saloperies d'anomalies. Oui. Ah, tes fils, tu les sors de tes yeux? D'accord. Je te hais tellement, Ink. Je crois ça, je l'avais compris. Je te hais, toi et ton envie de rendre toutes ces ordures intéressantes juste parce que ça t'amuse. Secours. J'ai hâte de voir quelle tête tu feras quand je montrerai ce que j'ai fait. J'ai cru qu'il y avait marqué A-N-U-S. Je ne dirai pas le mot parce que sinon je me fais complètement démonétiser, mais tu sais ce que je veux dire, ok. Bonjour, X-Tail. Ah, mais ça y est encore, X-Tail? Bah oui, du coup, je présume que oui. Moi, je suis pas stupide. X-Tail, c'est le monde, du coup, de Cross, hein, si vous me demandez. Eh oui, je sais, je suis un peu intelligent. Hey yo, mon frère, ça faisait... J'ai pas le temps de dire. C'est pas grave. Ouah, reste zen, mon frère. Tu ferais une trêve avec le cousin Link, c'est ça? Tu peux pas me détruire, voilà, je suis le pote à Link. Et le pote, c'est cool, les mecs. Eh, fais pas ça. Très, très cool, le monsieur. Comme ça, c'était son pote. J'avoue. C'est cool, mec. C'est cool. Je suis posé garder cet univers alternatif pendant qui? Juste... Ah, d'accord, ok. Non, mais je suis débile, ok. Il m'a promis de revenir avec un truc pour rien, pour WAM. Du coup, je me tanne pépouze à mater. Attends, mais il parle dans une langue que je ne comprends pas. Tu vas te faire un câlin ridicula et te demander de jeter... What the... Eh, mais c'est... Wesh. Le mec parle dans une autre langue, c'est un truc de fou. Pour de partout, comme un gamin de Noël, avec Ross et autres squelettos et bébés. D'accord. Ouais, donc du coup, ça, c'est les messieurs qui l'a téléporté, Cross. Ah 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 ah. Il rigole. Je savais que tu résisterais pas à Ink. Je savais que tu deviendrais malade à force de plus rien créer. Je deviens taré, moi aussi. J'ai enfin compris sur quoi ce jeu se repose. Ce jeu qui est le X-Event. Aha. C'est bizarre là, ok. Pourquoi on rigole comme ça? Mais lui, il a même accompagné, tu sais. Pour ma victoire. D'accord. Notre rêve prend fin. Oula. Ouloulou. Mais c'est pas très gentil ça de casser des promesses. Outertal. C'est pas là où chantent les concerts de Tal. Oui, je sais, c'était pas drôle. Ok, donc du coup, c'est là, c'est le 0.4. Des images de tout ce qui s'est passé. Les combats. Les rencontres.
Les cœurs. Tu ne me vois pas. Mais je t'observe depuis un moment déjà, X-Event. Oh, c'est joli. J'ai trouvé ton idée intéressante, certes. Néanmoins, je ne savais pas comment l'exécuter dès le départ. Peut-être un peu trop viré, la Mongo. Hein. Regarde ce que tu as fait. Un seul univers à partir du meilleur des autres. Je suis curieux de voir ce qui pourrait se passer. La fiole est en train de se détruire. Ah, mais il est tout gélatineux! Mais d'abord, je dois réparer tes erreurs, comme à nos d'habitude. Mettre les timelines que tu as corrompues sous quarantaine devrait fonctionner pour le moment. Assistance! Wesh, attends quoi, il a cons... Je sais quoi faire. Lui, en un claquement de doigts, frère, il arrive à construire Alphys. Bam, tu es Alphys. Mais c'est génial. Enfin, je sais pas si c'est génial ou pas, mais bon. C'était pas là, il y avait Papyrus? Si. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. À tout prix, vraiment. Ah, mais c'est le... Ok, c'est le frisque noir et blanc. Tu agis bizarrement. Papyrus, tu sais très bien que je peux pas t'aider cette fois. Il n'y a aucun autre moyen de t'emmener à Timeline Omega. Cette timeline va s'effondrer et tu ne mérites pas de... Et moi j'en crois que ce soit qu'il est utile de survivre. Je ne peux plus, gamin. Je ne sais pas parler aussi, évidemment. Eh bien, je voulais pas voir mon frère mourir sous mes yeux. Oh, c'est magnifique. Plus rien n'a d'importance. Les règles de notre univers ne sont plus à jamais les mêmes. Et intelligence, Papyrus, hein. Aucun de nous ne peut y remédier à ce qu'on a fait sur le point de se passer. Enfin, ce qui est sur le point de se passer. Voilà. Je vais arrêter de parler, sinon je... Il s'est fait supprimer? Mais what? Faut voir que des fragments de Kond ont été envoyés jusqu'à chez nous. Tout ça à cause du mauvais comportement de l'humain. Mais quoi? Mais on en parle que Papyrus s'est juste fait supprimer comme ça? Oh mais il est dégueulasse comme ça lui. Oh. Arrête, arrête. Bonjour. Ah mais d'accord, tu penses Croc, je suis désolé mais tu es en grand danger à cause de cet enfant. Il est mort. Enfin je crois, je suis pas sûr. C'est un papier. Un papier qui fait... Quoi? Ah, bah même le médaillon... Là... Ah, ça a fait un X. Le papier, du coup, est devenu violet. Ah, d'accord, donc c'est ça une quarantaine. Enfin, leur quarantaine du coup. Ça empêchera cet univers alternatif et toutes ces timelines d'être corrompues. Ah. Cool du coup, non? Je sais pas. Ah là là. Maintenant, ils ont une attention insidieuse. Donc apparemment, c'était des gens bien, d'accord. Ok, ok. En fait, c'était la pointe de la technologie, si je comprends bien.
Oui, c'est quoi cette musique là? J'ai l'impression que c'est une musique un petit peu méchante, tu vois. Ça c'est Underfell. Du coup elle met Alphys du coup met tout en quarantaine du coup si je comprends bien. Le X-Vent n'a pris que quelques fragments de code de cet endroit connu sous le nom de Snowdin. Contrairement à l'autre AU, ses habitants n'ont pas été corrompus. Mmh. Hey, du coup, y a Papyrus et tout. Putain, il est stylé Asgore. Qu'est-ce que c'est moi, ça fait ici? Eh ben. Ah bah voilà enfin quelqu'un qui est intelligent. Bordel. Es-tu venu pour causer plus de soucis à mon royaume? Tu en subiras les conséquences si tu ne parles pas. Ah, ça se voit qu'ils sont pas contents là. Hein. Tu as jusqu'à 3 pour m'expliquer qu'est-ce que tu as fait de cette partie de mon royaume. 1. Ça va barder, hein, je te le dis, mon pote. Oh. Et il est où le 2? Oh! Il était cool ton œil. Mais Tatane? Qu'est-ce que... Attends, mais... Gaster, il invoque Alphys, et Alphys invoque Metaton, et Metaton, il va invoquer qui? Ma mère? Yahoo! Truc de fou! Eh ben... Ouais, ok, quarantaine de toute façon. Ok, en fait, du coup, sa mission, c'est concrètement, genre, mettre tout le monde en quarantaine, quoi. Et pas la quarantaine que nous on a connue à l'époque. J'en fais des blagues, hein, dis donc. De nombreux sentiments positifs disparaissent. Le multivers est sur le point de nous faire face à quelque chose de plus à la main que Cross. Ou que Crow, devrais-je dire. Peux-tu prendre les victimes affectées à la Timeline Omega? Timeline infectée par Cross sont gravement endommagées. Il y a des êtres, ils mettent en quarantaine. Ils veulent empêcher la corruption du X-Event de se propager. Alors, en soi, c'est bien, mais j'ai pas l'impression qu'ils le font bien, tu vois. Enfin, genre, ils mettent en quarantaine, mais genre, c'est pas ouf de fou, tu vois. Oh non, chance. Ah, bah d'accord. Ça glitch un peu, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Donc du coup, toi, mais entends qu'on t'a pas vu, dis donc. Bon, je vais pas dire des gros mots, hein, parce qu'évidemment, vous connaissez YouTube. C'est clair que je suis surestimé, stupide humain. Ah, ça fait mal. Tu ne produis pas assez de sentiments négatifs. Ah bah c'est pas un expert hein, c'est un élève hein. Oula. J'irais que tu mentais, ne dis pas le contraire. Tu n'y mets pas tout ton potentiel. Mmh. Tu as encore de la pitié. Il fait toujours partie de mon âme. Ah d'accord, donc il est pas totalement mort. D'accord, d'accord. Les enfants chats ne changent pas en fait. Bah si, du coup. Il a été épargné au début car tu ne voulais blesser personne. Mmh.
C'est ses parents? Genre c'est maman, papa? Non? Je sais pas, j'ai pas compris. Oh, ça c'est frisque, Kara! Eh, ça va trop vite là. Ok, je peux pas lire. Je vais pas lire. Ouais, ça va beaucoup trop vite, je pourrais pas lire. Désolé. Tu nous regardais pendant tout ce temps comme si on faisait partie d'un film. Tu pensais savoir... Attends, tu pensais déjà tout savoir de notre fonctionnement dans le multivers. Ouais, donc en fait, lui, c'est un gros squatter, quoi. C'est le mec qui regarde tout, tu vois. Une timeline génocide maintenant, tu devrais aller d'arrache... Tu devras travailler d'arrache-pied. Nyang! Je veux pas, tu es des crasses à avoir tout ce que j'avais besoin pour ce monde. Maintenant, tu donneras mes haïnk pour que j'obtienne la fiole qui cache. C'est un ordre! Je trouvais que ça faisait pas assez voix de puceau, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je rigole. Oh, ça va, on peut rigoler ici ou pas? J'offre mon herbe. What the fuck? Mon herbe? Eh, hey, faut que je dors, moi, la nuit, hein. C'est grave, hein. Ah, bordel. Je suis le seul mec en France, pour l'instant, à regarder Underverse et je parle d'herbe. Vous vous rendez compte? Ça a aucun rapport, mais bon. J'en ai rien à pipe. Non, c'est j'en ai rien à f... C'est mieux. En demandant plus et très très mal poli. Tu m'obéiras et si tu résistes, eh ben, on sait ce qui va se passer. Ça va partir mal, mon copain. Oh non, il casse le cœur. Enfin, la moitié du cœur. Enfin, je sais même pas si c'est encore un cœur, ce repno-là, tu vois. C'est... En fait, c'est littéralement un... Si je... peut me permettre un esclave. Mais vraiment de... Pourquoi ça va trop vite? Ah, bah et du coup, comme c'est en quarantaine, du coup, les trucs se suppriment, c'est ça? Vu que c'est des codes. Pathétique et inutile. J'ai pas le temps de bavarder avec toi. Néanmoins, j'ai besoin de plus d'employés. D'accord. Bah, c'est quoi ton entreprise, du coup? Écoutez, si vous voulez, je peux poser le CV, mais bon, je suis pas sûr que ça marche. Killer. D'accord. D'accord. Je t'ai rien fait. Gentil, tout mignon, tout plein. T'as envahi ma maison, t'as essayé de voler mon âme. Tu essaies de manipuler tout le monde, même ton propre Sans. Quel enfant innocent, mais... Eh, faut que je dors, hein. Désolé, je suis désolé pour les personnes qui me détestent actuellement. Je peux vous comprendre, évidemment. Faut que t'apprennes à lire, ok? Lis. Nous sommes juste des infimes variations des timelines alternatives, pour faire court. Une anomalie d'un univers primaire a changé d'une façon permanente des décisions bidules. Dans mon cas, ta version originale m'a forcé à tuer tout le monde pour que je sente quelque chose à nouveau. Félicitations, déchet d'un univers alternatif, tu as... Bichour, je m'appelle François. J'ai 46 ans, j'ai 3 ans et fin, et j'habite dans une maison. Et je sais pas lire. C'est pas cool. Ah, oh, les étoiles! Oh non, il pleure encore. Bah, j'aurais bien voulu te dire que Papyrus va très bien, mais avec ce que j'ai vu, je pourrais pas te dire ça, tu vois, je t'avouerais. Et là, Magnan. J'ai jamais vu aussi résigné. Était-ce vraiment lui? Je ne sais point. Ou ce sont les autres qui l'ont rendu comme ça? Pourquoi il prend un peigne? Pourquoi il se coiffe? Ok.
Non, mais pourquoi pas, je veux dire... Comme si je pouvais sentir la même chose qu'eux, ces sentiments qui m'ont renforcé. Quand j'ai vu un mec étrange sourire, en fait, il avait vraiment l'air heureux. Ah non, il avait pas vraiment l'air heureux. Donc en fait, ils ont tous vu Gaster quand en fait, ils étaient en mode X. Enfin, quand ils avaient du coup, quand ils étaient sous l'emprise du contrôle, en fait. Mais lui, enfin, Sans, du coup, lui aussi, il l'a vu, mais il a jamais été sous l'emprise ici. Bah, pas que je sache, non. Ink est parti encore. C'est vrai que là, il abuse un peu, là. Hein. Ce mec est beaucoup trop bizarre. Ah, pour le coup, là, je peux pas te dire que c'est pas vrai, tu vois. Ce serait mentir à moi-même, tu vois ce que je veux dire. Je vais le chercher, si vous voulez, pas bouger d'ici. Y'a pas de souci. Oh, c'est beau. Je veux un monde auquel, genre, il y a des étoiles dans la vie. Voilà. Bah, mon vœu peut uniquement se réaliser à partir de minuit, tu vois, parce que bah, on peut voir des étoiles dehors. Voilà. Oh, une musique. J'adore les musiques. C'est qui parle, là? X-E-C. C'est qui parle? Une pluie de météorites. Oh! Je veux voir ça, montrez-moi ça de suite. Oh, c'est beau. Ah, c'est joli, sa mère. Elle kiffe lui aussi, hein. Oh. Eh bien, est-ce un imposteur ou un visiteur d'autres cieux? Ah, du coup, il rencontre le Sans de cet endroit, ok. Tu sais pas comment c'est lui un nouvel ami? Tourne-toi et serre-moi la main. On voit le coup Saint-Péter, hein. Ok. Ah ouais, d'accord, ça a pété, là. Non, c'est comme ça qu'on fait pour péter. Ah, même lui, il entend de là? Ah ouais, quand même. C'est violent, wesh. C'était une attitude, hein. Ouais, bah, pour le coup... Est-ce qu'on se connaît? Je m'appelle Sans, juste au cas où. Trop marrant, je m'appelle Sans aussi, c'est super. bon. As-tu vu quelqu'un qui nous ressemble, mais qui porte des vêtements différents? Non, désolé, mec. Mais on peut toujours vérifier les alentours. C'est ma pause déjeuner, profitons-en. Lui aussi, il a l'air d'être un bon bosseur, si tu vois ce que je veux dire. Ils vont en capturer un et je dois l'aider, mais honnêtement, ça m'intéresse pas. Mais hey, c'est littéralement genre un Sans PNJ, frère. Il veut devenir garde royal. Et il est plutôt motivé. C'est pour ça que je l'aide. J'aime voir Papyrus heureux. Même Undyne l'a entraîné et... T'as de la chance. Qui, moi? Des étoiles, tu peux les contempler à loisir. Eh ben... En fait, c'est littéralement genre le Sans du jeu vidéo, mais en version... Ouais, y a des étoiles. Après, c'est la même chose, c'est genre c'est la même histoire, pas grand chose qui change, juste les outfits ça change, mais bon, après, n'abusons pas des mots. Ah, d'accord, il se passe dans la tête, j'étais en mode, c'est qui le S là qui parle là? Et je crois que je l'ai trouvé, c'est pas le mec là-bas? Ah, c'est Killer du coup. Killer Sans. Je le connais pas de fou, moi, ce mec, mais... En fait, ça me rappelle juste Dust Tale. Qu'est-ce que... Ne bouge pas! Eh ben... Une fiole, pas d'une âme ordinaire. Ah, ouais. Tu refuses de la prendre, je te tuerai, j'en ai marre de t'entendre chouiner. Je suis pas un daron, bordel. Oh, lui là, il est même là, lui.
Ton âme originale te manque tant que ça, à ce que je vois. Oh, il va pleurer. Je cherche encore de l'attention. Trop marrant, Nightmare. En fait, je suis assez pris dernièrement, mais je voulais te demander quelque chose. Il est où, Wink? Un peu moins, bordel. Ouais, d'accord. Donc, en fait, à partir du moment où en fait, tu prends ses fioles, en fait, il est indétectable, en fait. Oh lolo. Ne te sois jamais tes proches. Oh, et ce mignon. Nice. Tu ne sais rien de moi, il a dit. Ok. Eh, bah c'est super, il y a une guerre qui se déclare, c'est génial. Pourquoi je dis ça, je sais pas, mais bon, c'était marrant à dire. Eh ben lui, c'est partout, hein. C'est un petit chien sans laisse, tu vois. C'est lui la laisse, tu vois. Et lui, c'est le chien. Ah, mais d'accord, il les a capturés, du coup. Sors-nous de là. Il était... Enfin, on dirait, genre, vraiment, il va exploser une daronne, frère. Il a aucune expression, vraiment, il est mode... C'est un truc de fou. Je vais tout anéantir. Et ça vaut aussi pour les Anouini. Et les Rapapi, les Rapapla. Ce ne sont pas mes amis. Ça a toujours été son idée, mais je... Il a simplement prétendu un héros pour gagner du temps, et j'ai pas eu le temps de lire encore. Ces fioles Kink portent à la bouillère, lui permettent d'avoir des sentiments, mais la violette... La science de l'existence d'un univers alternatif m'accorde nécessaire pour ressentir comme... Avec une vraie... C'est tellement rapide que je vais même pas lire, ok? Lisez pour vous. Je suis désolé, hein. Mais je vais pas faire pause. C'est ça, hein. Oi. Ce machin t'abritait encore plus. Et lui, il a chopé en mode... Non, arrête. Ça suffit maintenant. Ah mais du coup, ouais, il a touché, du coup. Attention. Oh. Ah ça, je crois que ça veut dire que c'est l'heure du combat, là. Ah mais Lucie, il peut les contrôler, du coup. Ah ouais. En plus, le pire, c'est que comme du coup il y a des étoiles, bah moi je suis en mode waouh, c'est beau. Ce truc de fou. Ils savent m'accueillir, tu vois. Oh, il avait une gueule, mais tu... Ouais. Ouais, vraiment, son seul objectif, c'est de choper cette fiole, en fait. Oh boy. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ah ouais. C'est ultra stylé, mec. Bordel. Timeline pacifiste 25, 26, 27. Oh, what the fuck? C'est quoi ça? Ce jeu encore. Mais what? Mais c'est quoi ce délire? Et ce mec, en fait, il est possédé? En fait, est-ce qu'il est gentil ou il est méchant? Espèce de psychopathe! J'aurais jamais dû négocier avec toi quoi que ce soit. Oh là là, frère.
Je vais pas le regretter maintenant. Ah donc du coup c'était la moitié du cœur de Gaster. Ah ouais d'accord. Donc du coup là il y a X Gaster qui est là donc d'accord calme. Je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas jouer avec toi. Mais du coup, si je comprends bien, les feuilles, c'est les timelines, c'est ça? C'est bien dommage. Dans ce cas, nous continuerons seuls. Le mec fait ce qu'il veut, vraiment. Ah ouais, mais vraiment, ils s'invitent comme chez eux, quoi. C'est un truc de fou. Ah, donc du coup, ça, c'est à moi. D'accord. Ah, donc du coup, dans la fiole, en fait, il y avait la moitié du cœur de Gaster et l'autre, la moitié du... D'accord. Ah non, c'est triste encore. Je suis supposé gagner. Je suis pas juste. Oh là là, Bébou, il pleure. Eh donc du coup ouais il a récupéré son âme mais du coup hop papi papi et palou. D'accord. Tu as beaucoup de potentiel mais tu as encore à prendre. Ah donc du coup il a récupéré le médaillon et ok d'accord. C'est quoi ça? What? J'ai pas compris. Il les a tués? Ils en ont trouvé après tout. Oula. Oh, en fait, je sais pas. Est-ce qu'il est TP du coup? En refaisant du coup le monde? Comme s'il y avait rien qui s'était passé? Mais eux, du coup, ils ont toujours vu ce qui s'est passé? Je comprends pas. What the fuck? Je sais comment m'y prendre. Et du coup, il va tout reconstruire? Ah ouais. J'espère au moins que tu utiliseras ta détermination juste à ce mieux quand je te demande de le faire. Quant à toi... Oh, c'est Cross! Rien de doux et rien de ta faute. J'ai pas parlé, ok, mais bon, c'est pas grave, tu connais la vie. Oh, ils sont stylés. Pas purée, ça a l'air stylé aussi, de fou. Nous t'attendrons, Cross. Est-ce que ce mec est gentil? C'est la seule question que je peux me poser, ok? Ah, c'est la fin, non! Oh non! C'est la fin! Eh, franchement, c'était incroyable! J'ai trop kiffé! Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Si jamais vous voulez, bien sûr, une suite par rapport à Underverse, regardez la saison 2. Je regarderai pas du coup l'épilogue parce que bah du coup, ça spoil du coup un petit peu la saison 2. Montrer un petit peu qu'est-ce que ça va être. Sur ce, si vous voulez une saison 2, faites-le moi savoir vraiment en commentaire. Car je vais pas lancer une série qui vont pas vous faire plaisir. Néanmoins, merci beaucoup à tous et à toutes de m'avoir suivi. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et profitez de la vie, évidemment, parce que c'est important. Ciao!